Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans le numéro Fenêtre Culture. C'est avec un pile plaisir, moi-même Saïd Antoine, avec tout staff là, entrer sous écran là. Je vous ai toujours fait, nous présentons quelques titres que nous avons pour nous. Notre cadre, nouveau projet, l'a préparé sous phénomène Taxi Motowa, écrivain dramatique Gary Victor, invité public là pour tes contributions. Nous avons proposé quelques textes écrits sous Taxi Moto, une façon pour booster le projet si là. Sorti vendredi 28 pour arriver dimanche 30 juin 2019, l'on coiffé avec designer Michel Chatein présenté pop-up show li dans le local institution Lyon qui est dans rue Castrom. 4 jeunes musiciens intégrés staff New Look Lan pour venir renforcer jazz là. D'après maestro Oli La Rivière qui a présenté nouvel album yo vendredi 28 juin passé. N'a invité rete branché, n'a tourné pour développement titre ça yo. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer NAD, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. NAD, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec NAD, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus NAD, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. NAD fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme NAD, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. NAD, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits NAD sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires, faculté d'agronomie, nous avons un programme diplôme tout, laboratoire médical, pharmacologie, assistance administrative, comptabilité informatisée, technique bancaire, informatique bureautique, construction bâtiment, technique douanière, et puis il y a un paquet d'autres options. La faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une des deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, au soit 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti USFA, partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. Je toujours fait l'axe aussi pour m'offrir ce qui est bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sous la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas, c'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration de l'amour pour nous. Respecter les droits comme artiste, pour nous continuer à nous, tout ça, moi, gagner en dedans pour nous. Nous retournons après pause là toujours avec même disponibilité pour nous servir. Je vous ai annoncé un grand titre dans le cadre de nouveau projet la préparé sous phénomène Taxi Moto. Écrivain dramatique Gary Victor, invité public là pour tes contributions. Nous avons proposé quelques textes écrits sous Taxi Moto dans le site ça. C3 Édition Haïti,
acommercial.com. Jusqu'à fin mois septembre, qu'a venu là. Après compilation, auteur a bien pour choisir texte qui pi bon yo et puis présenter yo sous format nouvelle dans prochaine édition Livre en folie qu'a bien pour faire dans pays. Un dossier qui signé Katiana Michel et puis Lydie Dieudonné. J'ai une idée de préparer un prochain recueil nouvelle et c'est comme ça que j'ai pensé que le sujet taxi-moto est extrêmement intéressant parce que nous connaissons que taxi-moto est un phénomène qui est lié dans le pays, il révolutionne le transport, il révolutionne l'habitat, il permet de capital dans l'état ni plus loin parce que les gens peuvent déplacer plus facilement à cause de taxi-moto. Taxi-moto a un problème partout, problème de circulation, problème d'accident, problème d'insécurité, il y a un peu de mauvais actes qui fait. Et puis, ce qui est intéressant, tout, c'est qu'on chauffe un taxi-moto, son monde qui connaît ville bien, son monde qui connaît un peu de bagaille, parce que liberté en pile monde, liberté en pile monde, il mène un peu de monde au paquet de côté. Je lance le projet ça, il y a un recueil de nouvelles. Seule exigence, c'est que personnage principal, chaque nouvelle, son chauffeur taxi-moto que lié. Tout le monde qui est intéressé et écrit une nouvelle avec comme personnage principal un taxi moto, yo met voyer et yo met voyer nouvelle yo à Citoyen Édition. Me penser sortir recueil ça soit en décembre 2019, ça dépend, et soit pour Livre en folie 2020. Bon, on connaît combien textes que d'ap kembe, bon par contre combien textes pour recevoir, nous pour faire un choix les meilleurs textes et m'espérer vraiment que recueil nouvelle ça avec taxi moto comme sujet là recueil de nouvelles vraiment spécial. M'daime gen tout texte yo fait septembre 2019 parce que on c'est pour nous lire, c'est pour nous sectionner texte yo, mon travail d'édition qui pour faire sous texte yo, nous en pile dans jeunesse paysan, nous est déjà qui ça a fait donc c'est pour nous kembe, c'est pour nous espérer, c'est pour nous continuer travail quoi dans compétence. N'a passé dans musique côté formation musicale New Look présenté officiellement vendredi 28 juin passé à dans Pétionville nouvel opus qui baptisé No Stress. C'est de ça qui gagne 14 morceaux musique sous li bénéficié collaboration plusieurs musiciens parmi eux Jacob Devorieux, Denner Seyid, Jude Delouche et Sanders Solon. Sous nouvel album ça équipe New Look l'an était attaché à identité pendant yo essayé proposer quelques sonorités dans ligne rythmique antillais. N'a invite au suivre. C'est dans présence divers représentants secteur culturel haïtien, Maestro Henri Larivière présenté vendredi 28 juin dans Pétionville, nouvel album groupe qui titré No Stress. Une activité qui déroulait quelques temps avant Vantignati CDA. Dans une vidéo, chanteur a présenté une après l'autre chaque morceau musique qui gravé sous CDA. C'est une histoire qui vient de raison chaque monde. Et en plus, fois, nous pas jamais météo, nous pas jamais extérioriser, nous kembeyou, nous serrer parce que nous peur raconter, nous même dit, et n'a pas parlé de lui parce que nous connaissons que lui. Nous c'est grand monde de sa patrie. Un album qui abordait différentes thématiques, j'en ai habitué faire, et puis proposer quelques sonorités dans la ligne rythmique antillais. Septième composition qui sous laser ça, baptisée C'est même nous-mêmes, il bénéficie de collaboration chanteur Kassavla, Jacob Devarieux. Ben leader groupe là, Arli Larivière a expliqué raison choix ça. Si nous suspendons, nous c'est représentants compatriotes, nous c'est haïtiens, et nous même c'est Martinique et Guadeloupe, c'est Zouk, et nous ne pas marcher. Parce que nous même nous connaissons les gens, nous ne pouvons pas être menti. Nous besoin, nous besoin. Nous remet compas, nous consommons compas en pile, nous même nous remet Zouk pour consommer. Donc, on ne pas faire guère ça, nous faisons seul pour nous faire musique, nous allons marcher. Même genre quelques groupes compas qui déjà publié album yo pour année 2019 là, formation musicale New Look manquait les mêmes projecteurs sous différents problèmes société haïtienne a fait face. Poser une question sur raison qui la cause, Ali répond comme ça. Nous dit tout ça pour nous dire déjà et à concerner yo, yo bouche les oreilles, fait ça pour pas attendre. Et nous t'ai dit et pays jeunesse futur dans Agadez, nous t'ai dit Haïti quel espoir. Dans My Time, je pense que tout ça pour qui dit à mon qui concerne, dit déjà. C'est eux-mêmes pour qui mettez en application. Pas chercher qu'on est à cœur ouvert, elle, pour qui ça, dehors à chaud, I'm not ready, c'est même nous-mêmes, ton opinion, mon choix, cœur blessé, mon ouais courant, pas en m'aider,
Cauchemar, Why Now, Fesh Elbe, c'est ensemble titre qui composait 14 morceaux de musique sur l'album Tout Neuf Ça. Le public là va continuer à apprécier. Toujours sous même dossier à Maestro Oli La Rivière, fait qu'on est staff management officiel long formation musicale Nous Le Clan, recruter 4 nouveaux jeunes musiciens qui viennent renforcer ligne jazz là. 4 nouveaux musiciens ça yo intégré groupe là grâce à talent yo et puis sens responsabilité yo d'après ça Maestro a fait qu'on est. N'a invité au suivre toujours dans micro Vladimir Dertois et puis Jean Fleury. Nous pas faire cadeau et monsieur jeune mais c'est des types de chargés talent. Je parle là parce que vous êtes. Parce que ça vous avez expliqué, ne pas pas chercher un monde qui jeune. Parce que quand on est jeune et puis ça l'a fait pas intéressant, on ne va pas suivre. Vous comprenez? Donc c'est parce que vous avez talent qui fait là. Parce que nous, nous avons jazz qui est facile. Donc ramène-t-il. Basse. Nous avons mon estime qui c'est qui me plaît, Jenkins. Nous gagnons Jean-Baptiste Watson. Après ça, et nous gagnons le petit P et Richardson Prudent. Donc c'est des jeunes, monsieur Chargé Talent. Et c'est sous notre temps d'apprendre. Deuxième pause, nous avons invité à être branché, nous avons tourné après un coup de pause. Nous parlons parler mode avec Michel Châtaigne. Eh, hey, pas ta voile. Oh, c'est Joël. Mes amis. Oh. Si Joël, où est-ce que vous reconnaissez? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse à tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descend, monde campée, bye machine passée. Et pour apprendre à garder lumière, on va traverser la rue. Où est-ce que ça arrive aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est 3 jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. 3 jeunes mesdames, ça y est, gagnent habitude. Marcher dans la rue avec téléphone, casse aux oreilles, chat avec amis, sans pas avoir aucune attention avec monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia et Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça a gagné sur la vie ou l'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant dans la rue? On ne suspend mauvaise habitude ça yo pendant à utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti avec Zoom Entertainment. Merci pour fidélité avec attention. J'aime te annoncer ça avant pause long, sorti vendredi 28 pour arriver dimanche 30 juin 2019 là. Quoi faire avec designer Michel Châtaigne présenté pop-up show lead qui dans local institution dans rue Castrom. Pendant 3 jours, public là te gain occasion découvrir collection designer et puis supporter projet reboisement la baie Jarrette dans plateau central. N'a invité au suivre. C'est dans le contexte boutique passager à pop-up show dans l'anglais. Michel Châtaigne était invité à Mourir la Mojo, vient redécouvrir collection unisex liant Greener et puis découvrir nouveau collection pour garçons pour saison ça. Greener, nos collections ça qui fait premier paraître dans l'occasion Mois Histoire Noyau en février 2019, pas un hasard. Une petite organisation avec de très jeunes personnes, la personne la plus vieille a 21 ans. C'est un groupe de jeunes garçons qui se sont mis ensemble pour faire vraiment la biologie verte. C'est dans ce même contexte que je me suis inspiré pour faire le greener. Le greener qui a rapport avec tout ce qui est vert. Sac à main, chemise, pantalon et sandales, c'est quelques parmi différents articles qui étaient soit exposés, soit sous différents mannequins pour présentation lignade pour garçons. Cette année, j'ai fait une ligne pour les hommes. Pour les hommes, j'ai sac à main, j'ai sandales, j'ai chemisier, manche court, manche long,
J'ai des chemisiers qui étaient déjà là dans le temps qui s'appelait Pepe Bayard, que j'ai repris. On les appelait les quatre baffes, on les appelait les safaris. Il y avait beaucoup de noms, mais le nom original, c'est Pepe Bayard, c'est ça. Et j'ai repris ces chemises aussi, les gens vont pouvoir trouver ces chemises, les hommes. Nous avons fait des pantalons avec des prix très abordables. Nous avons vraiment une variété de produits vraiment au magasin de Michel Chatin. Et c'est la première fois que j'ai fait un pop-up en Haïti. On a fait rendez-vous en public là, tu as découvert le reste de nouveauté. On a un défilé qui joue une inspiration dans le travail Coco Chanel. Quittez mode pour nous parler à l'exposition Maman Zilé, il modèle de sa masse. Après, poursuivre dans la Maison du Fort jusqu'à 6 juillet, Cap Vinila. Public qui peut faire déplacement, invité pour aller découvrir Zev Atis Pintila. Gabi Victor, Atelier Dieudonné, à montrer son pokoé. Identité individuelle, collective, mémoire et spiritualité, c'est quelque parmi les réflexions qui traversent Zev Atis de sa masse. Pour permettre au public de comprendre le travail qui est caché en dans différents œuvres, Reginald Senatus, qui est médiateur exposition ça, a essayé de faire quelques explications. Chaque série a une histoire cachée derrière. Par exemple, là, derrière Dominant, c'est son série qui fait partie. C'est son série qui, notre série, c'est Does I Know, Does I Don't Know, ça me connaît, ça me pas connaît. Côté à Tissan Palais, ils font recherche sur famille, de membres famille qu'ils connaissent, ça ne pas connaît. Et ou pour une équipe tissu dans ça, tout ça, c'est fait, ça a un rapport avec le lien familial. Et tant que nous, l'autre série, encore pour être sur Yoshio, ça a eu le 2 novembre, le 2 novembre, non. Et tout ça, ça fait partie de l'exposition. Il était profité de l'occasion de parler sur les réactions de quelques participants qui étaient visités pendant la période-là. Ça qui gagne dans le travail de médiation que je fais, il y a une interaction avec le public, ça veut dire qu'il y a un travail. Dans le travail de médiation, il y a une question pour me poser, il y a une interaction. Ça veut dire qu'il y a qui est évident, par exemple, dans Richard de Rochelle, où c'est Tête Blanc, tout ça, qui parle de bataille de Vertière là. Mais qui pas seulement dit où est ça, qui sont qui est évident, mais il y a une question pour poser, qui sont pensés, et Mounio, il y a vraiment interagi avec le public. N'a pas souligné sorti 31 mai pour arriver vendredi 28 juin 2019 là. Il y a plus de 200 personnes qui ont déjà visité l'exposition ça, qui ont continué jusqu'à 6 juillet 2019 qui ont venu là, d'après responsable. Et dans la rubrique Portrait, nous qui passons chaque lundi, chaque vendredi sous l'émission ça, nous avons découvert Vanessa Jeudi, qui est une pianiste, une compositrice, une chanteuse qui a une seule musique qui est le nom qui sortit déjà. Aude Cavalco, a montré nous comment lier. Toute femme le pays. Quel marabout, quelle mille adresses, quelle sénégaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans maquillage. Depuis quelque temps, dans tout le grand festival artistique dans la capitale, nous constatons la présence de Vanessa Jeudi, une voix protestataire qui a imposé chaque jour plus dans l'industrie musicale haïtienne. Premier paraître sous scène, c'était avec règlement fait populaire en 2014, sous Tino Jouetli Vava. Expérience ça mélangée avec formation, il était prend sous voix et piano dans l'École nationale des arts en 2012 et 2016. Te bay jeune artiste là plus maturité musicale. Konsa en mars 2017, li lance officiellement yon carrière solo. En 2017, moi sorti en musique qui est les noms. Pratiquement chaque année, me fait un spectacle, soit un concert ou bien un spectacle qui discute, qui rend un sujet discutable. Par exemple,
année passée 2018, nous avons fait décor qui c'est un spectacle sous et corps femme qui c'est un spectacle sous libération et émancipation corps femme. Tekunina Simone, Manu Chalmagne, Vanessa a utilisé talent pour servir une cause, camper en face tout système discrimination et réclusion sociale. D'ailleurs, c'est une raison qui fait la chercher identité musicale dans la musique noire. Je compte oppression sous toute forme. Je suis un ensemble de valeurs éthiques et morales qui fait que je prends position dans la société. Je suis un ensemble de structures organisationnelles qui prend position contre corruption, contre impunité, contre discrimination sous femme, ou du moins sous couleur peau, ou du moins sous genre cheveux mouillés, ou du moins discrimination sous orientation sexuelle, mon ou bien religion, mon choisi. Et moi affectionné musique gospel en pile. Le commencer connaître musique plus, moi commencer sentir moi aimer jazz, moi aimer blues. Et l'aime vinn vraiment connaître qui catégorie musique ça oui. Moi commencer apprendre plus de yo et me commencer et identifier plus à yo. D'ailleurs, militante ça qui pral célébrer 28 l'année existence li dans mois septembre, Chita yon perfectionniste. C'est peut-être une très caractéristique qui ralentit dans course li dans ça qui gè awè ak production musique. Jusqu'à kounya, nom c'est celle réalisation. Moi prend soin, ça m'a fait en pile. Je prends soin de musique et ça qui fait un pile fois je compose en musique. Je me dis après ça, je ne vais pas aimer. Ou du moins, ta musique, non, ce n'est pas une musique que je m'entendais du tout. Parce que chaque fois que je m'entendais, je me disais que je suis supposé faire ça dans la place, ça, je suis supposé corriger tel genre. Côté aspiration, revenez sa papiti. Pour 5 années qu'il vient, il projette publier pour Pipiti des albums. Redynamisé à travers Discop, secteur culturel haïtien. Pour accomplissement personnel, il compte gagner un master dans musicothérapie. Et spécialisation ça, c'est pour renforcer connaissance li dans psychologie. Toute femme le pays, quel marabout, quel mille adresses, quel sénégalaise, toutes ces belles femmes qui sont rouges à lèvres, sans Et voilà, amis téléspectateurs, c'était toute information ça on était porté pour dans premier numéro Fenêtre culturelle sur TNH. Avant d'aller n'a rappeler quelques titres nous était porté pour. Dans le cadre nouveau projet l'a préparé sous phénomène Taxi Motowa écrivain dramatique Gary Victor invité public là porter contribution yo n'a proposé quelques textes yo écrit sous Taxi Moto une façon pour booster projet si là. Sorti vendredi 28 pour arriver dimanche 30 juin 2019, l'on coiffé art designer Michel Chatein présenté pop-up show li dans local institution Lyon qui dans rue Castro. 4 jeunes musiciens intégrés staff New Look Clan pour venir renforcer jazz là d'après maestro Oli La Rivière qui t'a présenté nouvel album yo vendredi 28 juin passé. N'a pas cassé rendez-vous avec vous, amis téléspectateurs, pour un autre numéro Fenêtre culturelle. En attendant, n'a pas invité à rester branché. TNH. Au revoir.